que 15% de personnes obèses en France. C'est en tout cas ce que relève l'agence sanitaire Santé publique France. Ajoutons que le surpoids et l'obésité n'ont cessé d'augmenter dans notre pays entre 1996 et 2017. Il reste bien sûr des facteurs de risque majeur de maladies cardiovasculaires, euh, risque majeur évidemment de diabète et même de certains cancers ou de décès prématurés. Alors la faute à qui Aux écrans, à la sédentarité sans doute. Mais peut-on légitimement se demander pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle Réflexion dans cette émission Quête de Santé sur radio notre dame et RCF. J'ai la joie de recevoir pour en parler deux spécialistes, Guillaume Pourchet. Bonjour monsieur, bonjour Guillaume Pourchet. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes chirurgien viscéral et digestif. Alors ça ne fait pas très sexy comme ça, mais il en faut. Oui, oui, c'est sûr. <laughs> ça et... fait un peu peur quand on se termine. Mais c'est un, bon, un voilà. très beau métier. Non, Seigneur parce que, et bah, exactement, et, et merci d'être là. Vous avez publié cet ouvrage, L'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité, aux éditions Ixo. Euh, merci d'être là. Patrick Coulier est également avec nous. Bonjour Patrick Coulier. Vous êtes docteur en pharmacie spécialisé de votre côté en écologie digestive. Vous allez mmh. nous expliquer ce que c'est. Vous avez publié de votre côté Maman, j'ai rétréci mon microbiote. Tout comprendre pourquoi les maladies chroniques de civilisation explosent. Hein. Quel microbiote allons-nous laisser à nos enfants Vous ne vous êtes pas trompé d'émission. On va <laughs> voir à quel point ça peut justement euh, être corrélé à notre CG du jour. Euh, eh bien, c'est parti. Je vous propose d'entamer euh, cette émission autour de cette question. De l'obésité et du surpoids. J'aimerais d'abord qu'on définisse qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, euh, Guillaume Pourcher. Alors, c'est très simple à, à faire, puisqu'il suffit de calculer son indice de masse corporelle. D'accord. C'est un chiffre, et j'appelle vraiment euh, tous les auditeurs et plus largement à faire ce calcul qui se fait très facilement. Donc, c'est euh, le poids divisé par la taille multiplié par elle-même. Et ça vous permet d'avoir un chiffre. Alors, euh, on est dans la normalité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, on le sait bien, mais euh, entre euh, 20 euh, et 25. Euh, on est en situation de surpoids entre 25 et 30. Okay. Et euh, on devient en situation d'obésité euh, dès 30. Alors, il euh, y a plusieurs euh, grades d'obésité, hein, euh, ça c'est très important aussi de les définir. Donc, au-dessus de 35, on est en stade 2, c'est-à-dire qu'on a une obésité qui est déjà sévère. Et, et c'est vraiment un, un cap très important. Euh, si dans sa vie on a fait euh, ce, cet indice de masse corporelle plus de 35, il faut euh, savoir qu'on est en situation de maladie qui est déjà assez avancée, et il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste. C'est très important. Au dessus, c'est 40, c'est les obésités morbides. Alors euh, c'est un gros mot, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est une situation qui fait mourir, qui est reliée directement à la mort. Et euh, être euh, en situation d'obésité morbide, eh bien, c'est un danger pour sa vie. Alors, nous n'avons pas de psy à cette table, mais en fait, euh, vous allez faire office de psy tous les mmh. deux, messieurs. Guillaume Porchet, je vous mets de la grosse pression, et Patrick Coulier, parce qu'il y a quand même du psychologique là-dedans. Euh, je vous propose à propos de, de cette histoire de, de mort dans dans, ce, dans cette conversation, Amélie Nothomb disait dans, dans dans son roman une forme de vie. Un corps obèse est-il vivant La seule preuve qu'il n'est pas mort, c'est qu'il grossit encore. C'est ça la logique de l'obésité. Y'a un peu de vrai là-dedans ou pas euh... Justement pas pour, ah. pour vous euh, ouais, euh... Un peu peut-être, oui, euh, pour l'aspect euh, psychologique, euh, mais ça reste une maladie. Donc, euh, et puis euh, Guillaume qui est là, lui ouais. euh, sauve des gens. Donc euh, c'est bien la preuve qu'ils sont toujours vivants, ouais. euh, par euh, même avec des obésités extrêmes. Et donc la, la, les interventions chirurgicales, qui sont le, le stade ultime, sont quand même euh, sauve des gens. Quoi. Alors, allez-y. Oui, allez oui c'est une, un, une phrase qui, euh, qui en dit long parce que. Euh, ça dit euh, assez violemment que la situation d'obésité, le corps obèse, euh, est relié à la non-humanité. Euh, C'est-à-dire qu'on n'existe plus euh, véritablement euh, dans la société. Socialement quoi. Il y a, et, et, y a une, euh, une stigmatisation, une... C'est terrible le, 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 le vécu de ces patients. Et ça, il faut, il faut le rappeler. Et je trouve qu'Amélie Nothomb... D'autant plus que ce n'est not... pas forcément de leur faute. On va le voir. Ah, ce n'est absolument pas, pas de pas leur, leur faute. c'est ni une faute, ni une fatalité. Ça, c'est très important. Euh, ça me permet de rappeler l'obésité. On a défini en chiffres, ce qui veut pas dire grand-chose. Mais euh, il faut surtout rappeler que c'est une maladie. Une maladie chronique euh, grave. C'est-à-dire, c'est une maladie... Euh, qui, dont on ne peut pas guérir et qui fait mourir. Comme dont je on, ne non, euh, on ne peut pas guérir Non, on ne peut pas guérir, c'est-à-dire les maladies chroniques, c'est des maladies que vous avez en vous, euh, qu'on a au final un peu reçues. Euh, donc ce n'est pas une maladie du comportement, ça c'est très important de le rappeler. Euh, ce n'est pas parce que, euh, comme vous l'avez annoncé dans votre édito, que c'est à cause de la sédentarité, de la malbouffe, qu'on est en, en, obèse. Ça c'est plus le surpoids à la limite qui est généré parfois oui, par ça. Le surpoids est, est directement relié, effectivement, à, à ces attitudes-là, à ce comportement-là, qui est un facteur aggravant d'une situation. Okay. Donc la prise de poids, forcément, elle est reliée à une consommation on de mange mauvaise plus, qualité, on on fait pas de sport, à une activité grossit. physique qui est diminuée, ouais. mais aussi au manque de sommeil. Le, ça, le fait de mal dormir, ça fait grossir. Et le troisième facteur, quatrième facteur aggravant, c'est euh, la gestion des émotions, donc euh, le stress, toute la, les, les, les compulsions, de, tous ces éléments-là qui sont pas simples parce que manger, c'est un antidépresseur assez incroyable, on l'a tous utilisé et c'est mieux. Euh, c'est pas faux. Malheureusement, pas <laughs> malheureusement. Bon, <laughs> il faut aussi rappeler euh, le tout dernier facteur aggravant qui, à mon sens, est sous-estimé, c'est la discrimination. Et donc, on le voit dans notre société, le regard, les, les idées plaquées, les préjugés qu'on va euh, avoir sur une personne en souffrance, euh, on le regarde, on le voit euh, qui rentre en famille euh, chez McDo pour ne pas, euh, en se disant ah oui quand même tout ça, il pourrait éviter ça. Mais euh, en fait, on va tous euh, chez McDo dans sa vie et c'est pas ça qui fait Mais sa maladie. Attendez je veux juste comprendre ce que vous avez dit là parce que c'est quand même euh, pour moi un scoop hein. personnellement Guillaume Pourchet. L'obésité, euh, on ne peut pas en guérir, ça veut dire qu'on est obèse C'est ça que ça alors, veut dire la, la, la maladie installée obésité, donc là, on ne sait pas le surpoids. Hein. On, très clairement, c'est déjà au moins un indice de masse corporelle à la 30. Et puis, euh, un peu plus grave, même dès 35, on ne peut pas s'en sortir. c'est à dire peut que s'en son, son corps est programmé pour mettre en réserve très fort, pour parler simplement. D'accord. Et euh, alors, quand on va avoir des facteurs aggravants, on monte en gravité. Euh, si donc vous si ne faites pas de, de salade, sport, hein, ouais. même en mangeant de la salade et même en faisant de l'activité physique, quand on a cette maladie, on eh bien, on s'en sort pas. On reste en situation de maladie. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, même après une opération, puisque pour les très grandes obésités, ce obésité, que vous pratiquez donc vous, ce, ce que vous, que vous pratique, hein. c'est le, le traitement de la maladie obésité, qui est aussi lui stigmatisé. Hein. C'est une honte de se faire opérer. C'est une solution de facilité et ça c'est faux. Parce on pense que... à la ça. Alors on pense, la, la chirurgie de l'obésité c'est euh, assez vaste, euh, elle a une histoire, elle a débuté dans les années 50. Mais euh, les, les trois grandes techniques qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde euh, et en France, il euh, y a l'anneau mais qui est quasiment plus utilisé parce que, euh, voilà, pas tellement efficace, pas mmh. bien adapté à la maladie à mon sens. Euh, donc c'est un, une méthode qui, qui a été mise euh, sur le côté aujourd'hui et, et justement mise sur le côté. Euh, mais vous avez deux autres méthodes qui sont ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire qu'on transforme l'estomac en tube en enlevant une partie de l'estomac. Et ouais. la deuxième méthode, c'est le bypass. Euh, By le bypass. On fait un court circuit euh, au niveau entre l'estomac et l'intestin, c'est-à-dire que. Vous savez, on a à peu près 6 mètres d'intestin qui va digérer dans, dans son ventre, ce qui est très important. Et euh, on va le raccourcir d'environ 2 mètres. Donc, on fait en sorte que vous euh, digériez moins bien, si vous voulez. Patrick collier qu'est-ce que vous dites de tout ça, toutes ces méthodes euh, Les méthodes, je ne je sais pas, je ne suis, suis pas chirurgien. C'est plus sur l'installation le, le, de la maladie ou le, le microbiote. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Un, intéressant, oui, mais tout est lié en fait euh, par la biologie parce que là vous avez décrit une montée de l'obésité au cours des dernières décennies on peut faire une courbe croisée c'est l'objet du livre de la baisse de la diversité du microbiote quand je dis que le microbiote est rétréci ça veut dire que depuis 50 ans on a perdu 50 de diversité de notre microbiote C'est quoi le microbiote de façon Donc, extrêmement simple pour que je comprenne hein, c'est-à-dire C'est une population très diverse de bactéries on va dire pour commencer, qui vivent à l'intérieur de notre, de nos intestins, alors de notre bouche jusqu'à un mètre plus bas, et c'est une évolution, une coévolution qu'on a fait au cours des, des temps, hein, depuis l'Homo sapiens, l'Homo erectus, etc. Et donc, on a créé une symbiose. Symbiose, ça veut dire ensemble pour la vie. Nous, nous sommes donc, chaque humain est un petit écosystème, lui plus son microbiote. Et ce microbiote, au cours de l'évolution, il a euh, pris des fonctions qui nous sont indispensables Donc pour simplifier la digestion, notamment la digestion des sucres, on va peut-être faire ce qu'on appelle les fibres, euh, l'immunité. Et le développement cérébral. Il y a un axe entre les intestins et le cerveau. On parle souvent, souvent de l'intestin second cerveau. Absolument. Voilà. Et souvent on fait des ragourcis en disant que quand on mange par exemple mal ou trop de sucre, etc., on tombe plus facilement malade, d'hiver, pas... etc., etc. C'est pas prouvé. Euh, vous faites un peu la tronche. Non, non, non. <laughs> euh, c'est un équilibre, non C'est un équilibre. Non, un équilibre. Hein. Voilà. En vérité, c'est un équilibre. Et, et, et la nutrition, c'est la médecine d'Hippocrate. Hein. Donc tout ce qui est de, de, de L'alimentation, c'est primordial. On se construit avec son alimentation. Donc, euh, c'est très, très important. Sur le microbiote oui. aussi, euh, euh, c'est important de, de. Je vous l'ai dit, les facteurs aggravants. On en a un peu parlé tout à l'heure dans la maladie obésité. Euh, mais euh, il faut aussi parler des causes. Et donc, le microbiote fait partie des causes. Euh, euh, assez clair. Euh, le microbiote, c'est très complexe. Hein. Nul, euh... parce que c'est un peu. Et oh une, aussi, il, il faut pose. le rappeler, c'est une des deux grandes découvertes de la médecine moderne, mmh. de, euh, et, euh, qui a une approche finalement dynamique mmh. et d'échange. Le microbiote. Euh, on, on est a... avec un microbiote de départ. On est avec un microbiote de départ qui, est, euh, voilà, et qui évolue toute sa vie. Euh, le microbiote aussi, il est très personnel. C'est un peu comme son génome, hein. c'est unique, euh, le microbiote, parce que ça va se construire euh, en fonction, si vous êtes né par la césari une césarienne ouais. ou par les voies naturelles, vous n'avez pas le même profil de microbiote. D'accord. Il euh, vaut mieux naître néanmoins. Non, ce n'est pas, pas de non, donner pas des, des recommandations à la vie. Je crois qu'il ne faut pas juger. Comme ça. Je, je pas, comme ça. pas juger. Tu ne sauras pas juger. C'est très important. Et donc, euh, le, euh, le microbiote, c'est un phénomène et qui se construit donc, en fonction de ce que vous mangez, de qui vous embrassez. Dans une famille, on a souvent un microbiote très proche. Donc vous voyez, c'est vraiment une sorte de... Moi, souvent, je dis que c'est un, un, un miroir de soi-même ou euh, une ombre. C'est quelque chose qui, qui est avec vous. Euh, il faut savoir que le microbiote, en fait, on a, il est plus nombreux que vous-même. Il y a plus de, trois fois plus de, de bactéries dans son corps que de cellules. Donc il y a un enjeu de collaboration qui est, qui est très très fort. Et qui est quand même globalement positif. Il faut, en prendre, hein. soin. faut en prendre, prendre soin. soin. Ça, euh, oui, Il faut prendre soin, c'est ça. Oui, on peut en prendre soin et, et surtout euh, on, peut, on, on peut prendre l'exemple des fibres. Ça, je trouve que c'est assez parlant. Quand on mange, on va des dire radis. équilibré. Ah, oui, non, non c'est <laughs> pas forcément. Même oui, les, les fibres, fibres. Euh, quand on parle de fibres, <laughs> en fait, on parle de sucre. Hein, les fibres, c'est l'équivalent de sucre complexe. Hein. Quand on parle de, de fibres. Pour la, pas des bonbons, c'est des sucres complexes. C'est des rien sucres avoir. complexes, mmh. voilà. Hein, donc, ce qu'on va pouvoir manger. Euh, donc, si vous mangez équilibré, ouais. ces fibres, elles vont arriver au microbiote. Nous, on ne sait pas les digérer. On est incapable de les digérer. C'est le microbiote qui va les digérer. Donc, ce qu'on va appeler, on peut appeler ça le bon microbiote, on va dire. Et ce microbiote, il va envoyer des messages au cerveau en, en dégradant les fibres. Il fait des messagers, des hormones ou de l'influx électrique. Il envoie au cerveau en lui disant ça, c'était bien, ça, ça a été bien. Et donc ça, ça nous nourrit, et puis ça fait une bonne communication. Ça donne aussi l'effet de la satiété. Hein, lorsque vous avez mangé des fibres, ces bactéries elles disent c'est bon, on a assez mangé, ouais. on arrête de manger. Ouais. Si vous mangez déséquilibré longtemps, on va dire, hein, par exemple de l'alimentation industrielle, vous allez donner beaucoup de calories, ce qu'on appelle des calories vides, des choses comme ça. Et là, c'est d'autres bactéries qui vont manger mmh. euh, le, ces, ces, ces calories-là, et elles vont envoyer un message au cerveau aussi. Mais ce message, ça va être c'est super bon ce que tu m'as envoyé. C'est des fake news des marche Oui, c'est comme ça que ça marche. Oui, est ça que est bien ça expliqué marche. en tout cas. Et, et ça revient au cerveau et ça dit au cerveau :« Mais c'est super bon ce que tu m'as envoyé. » En donc plus, quand je m'enfile un paquet de Haribo, ce qui peut m'arriver, voilà, C'est bactéries si ça là, arrive qu'une fois, c'est pas grave. Euh, mon cerveau va être content sur le coup, voilà. mais... mais ça euh... va les. Mais si vous mangez industriel, hein, des calories, de ce qu'on dit des calories vides, cest qui ont pas de valeur ouais. nutritionnelle, les messages là... sont raides, et donc. Comme on a mangé des calories vides, on a nouveau faim. Donc on remange, on grignote. Donc ça, ça peut être des facteurs déclenchants liés au microbiote et liés à, à l'alimentation. Ouais. Évidemment, il n'y a pas que ce facteur. Hein. D'ailleurs, ça, cool. euh, ça, a, été, ça a été mis en évidence. Hein. Il y a des expériences scientifiques qui ont mis en, en relation l'obésité et le microbiote. C'est-à-dire que c'est une vraie cause euh, de cette maladie. Euh, par exemple, c'était une expérience qui avait été faite chez la souris, des souris jumelles, donc les mêmes gènes. Euh, une était obèse, l'autre non. Et on répétait l'expérience. On a trans, enfin euh, greffé le ouais. microbiote de la grosse souris à la souris maigre, et cette souris maigre, en trois semaines sans changer son alimentation, euh, sans changer son activité physique, est devenue. Obèse. Alors, wow. l'inverse n'a pas marché, malheureusement. C'est stupéfiant, quand même, hein, comme C'est stupéfiant, mais ça veut dire, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un facteur très important, une véritable cause de la maladie. <coughs> et et euh, moi, je veux bien qu'on oui. rebondisse aussi sur les autres causes, parce il euh, euh, y a des causes qui sont euh, très importantes. On l'a évoqué, le, le côté génétique et épigénétique, notamment. Donc ça, c'est un sujet Mais immense. C'est encore... votre premier chapitre. Les jeunes et la transmission de la maladie. Voilà. Hein, ça se transmet d'abord. C'est ça. Et, et ça, c'est un point très très important parce que c'est aussi, je l'ai dit, c'est la deuxième grande découverte de la médecine moderne, l'épigénétisme. C'est-à-dire on, on a... Euh, euh, il faut voir le gène comme un livre et euh, le, le côté épigénétique, c'est-à-dire c'est à côté du gène hein, littéralement, mais c'est des marque-pages qu'on met sur son gène, oui. euh, sur des séquences qui sont utiles à votre vie. Donc c'est l'épigénétisme, on le construit pendant sa vie. Un musicien, par exemple, oui. il va euh, sélectionner des fibres musculaires, donc ça passe par des protéines, donc ça passe par des gènes, et il va euh, sélectionner les, les bons muscles qui lui permettent d'avoir un geste le plus raffiné, le plus, en, oui. en relation avec son, son exercice. Et ça, il va le mettre dans ses gènes. Il va mettre ses marque pages dans ses gènes et il peut les transmettre. Donc wow. c'est assez passionnant, c'est-à-dire qu'il une ce que vous pensé... transmission de l'acquis. Ça c'est prouvé. C'est prouvé. prouvé, il y a une transmission de l'acquis. Et euh, la maladie obésité, elle passe euh, par ces mécanismes-là. Euh, et et, et c'est ça pose des questions qui sont passionnantes, hein, euh, parce qu'on peut remonter à l'origine de l'humanité. Euh, L'enjeu de la vie d'un ouais. humain, c'est l'alimentation, c'est de se nourrir c'est de pas mourir de famine et ça on a tous probablement euh, des marqueurs ça fait partie de, de nous quoi de hein. nous et ouais. tous les êtres humains peuvent euh, entre guillemets être susceptibles de développer cette maladie obésité peut-être donc ça c'est des parents vrai. obèses alors si je comprends bien ce que vous allez je fais exprès hein, d'accuser ouais. le coup euh, les, les si, des parents obèses donnent forcément naissance à des enfants obèses ou pas alors, bon, ce n'est pas, pas, pas du tout aussi simple que ça, parce que c'est l'épigénétisme. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des expériences aussi, des, des études scientifiques qui ont été prouvées. Donc, j'ai des mamans euh, qui étaient en situation d'obésité et euh, qui ont eu des enfants. Donc, on a pris des marqueurs épigénétiques euh, de l'insuline aux Donc, c'est relié au diabète et à l'obésité. Et on a vu qu'elles transmettaient à 100% ces marqueurs à leurs wow. enfants. Quand ces mamans euh, sont opérées et ont maigri, donc euh, des opérations d'obésité de et tout... Elles et qu'elles ont un enfant, elles, ne, elles en perdent, elles perdent des marqueurs déjà pour elles-mêmes, donc ça c'est passionnant, et elles transmettent seulement 30% des marqueurs à leurs enfants. Donc c'est quand même un peu vrai, c'est-à-dire ah. que la tendance peut se transmettre, et je pense que c'est un des enjeux de l'évolution de l'obésité qui, qui ne cesse de croître. Alors il y a les différentes causes qui interviennent, mais ça c'est un facteur très important, c'est-à-dire. Il faut soigner les personnes en situation malade parce qu'il y a un effet boule de neige, il y a un effet de transmission. Et c'est probablement plus que euh, le manque d'éducation ou le, la sédentarité euh, euh, le facteur qui explique l'évolution de la maladie. Hasta que el aguante, sur Radio Notre-Dame et RCF, Dominique, figurez-vous, tout de suite. À tous les bars de la terre, il ira où on ne le connaît pas, Tanguera sur les fus horaires, fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre Sans être sûr qu'on en reviendra Il retrouvera partout un frère à Shanghai Séville ou Luanda Il ira, 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 ira Hasta que el à aguanter Ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va, il n'aura ni remords ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre, il ira, 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 hasta que tu es po Il ira, 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 hasta que tu es po aguanté, hasta que tu es po départ de la Terre Prendra tous les vers qu'on lui tendra Roulera sur les deux hémisphères Va savoir où il se réveillera Il promènera sur lui le parfum De quelqu'un dont ne lui reviendra Ni la voix, ni le regard, ni rien Et dans le premier pas entrera Il ira, 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 ira Hasta que el à aguante Il ira, 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 ira Hasta que el cuerpo aguante Il ira, 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 ira Hasta cuerpo aguante Il ira, ira, cuerpo Il ira, 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 Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit éolera il, il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne tout va Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre Rien que le bonheur pris sur le fait, sans un moment pour le lui reprendre Il fera tous les barres de la terre, il prendra tous les verres qu'on lui tendra il fera voyager sa gueule de bois, il boira comme on part à la guerre Sans être sûr qu'on en reviendra, sans être sûr Hasta Dans cette émission Enquête de son sur Radio Notre-Dame RCF, pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle? Eh bien, pas du tout forcément pour les raisons que j'ai évoquées en introduction depuis le début de cette émission. Euh, Guillaume Pourchet, qui est chirurgien viscéral et digestif, qui vient avec son ouvrage « L'obésité, maladie du siècle, ni une faute ni une, fa une fatalité euh, », chez Ixo Et puis Patrick Coulier, qui est docteur en pharmacie, euh, spécialisé en écologie digestive, qui a écrit euh, « Maman, j'ai rétréci mon microbiote », chez Librinova. Euh, Patrick Coulier, vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit, euh, je pense à propos justement du microbiote ou... euh, ah. Oui, <laughs> oui, on peut. Euh, D'abord, c'est l'épigénétique c'est réversible donc on, on peut quand même travailler dessus et ce qui est intéressant c'est la transmission euh, par l'épigénétique a ouais. un, un autre mécanisme qui se fait pendant la grossesse qui est la, la programmation fœtale. ça c'est assez intéressant c'est -ce euh, l'inscription des maladies in utero euh, pendant la grossesse certaines pathologies vont s'inscrire pendant la grossesse. Alors si vous avez une maman oui. qui, qui est qui mange mal, mais on va dire simplement, pas forcément obèse, mais qui mange mal, qui se nourrit mal, tout ce qu'elle va produire au travers de son microbiote notamment. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des informations qui remontaient au cerveau, qui étaient erronées. Là, c'est les métabolites que la maman va passer à son bébé qui vont être de moins bonne qualité. Si elle mange mal, son microbiote va être moins bien. Comme c'est son microbiote qui produit les métabolites, elle va passer à son bébé des métabolites, des informations de moins bonne qualité. Alors, ça peut, cette programmation fétale, ça peut concerner un organe, par exemple, qui va moins bien se développer. Donc, ça ne va pas se voir. Ce n'est pas forcément visible tout de suite. Mais avec le temps, cet euh, organe va décliner plus vite. Et donc, vous allez avoir, si c'est le pancréas, par exemple, euh, au lieu de décliner euh, comme tout le monde avec la vieillesse, il va décliner plus tôt. Et donc, vous allez pouvoir déclencher un diabète ou avoir euh, des phénomènes d'obésité. Donc, il faut savoir qu'il y a une programmation fétale des maladies. Donc c'est très important la nutrition de la maman. Vous auriez pu me le dire avant. Ouais. Alors attention de ne pas culpabiliser aussi, hein. ah ça oui, c'est très que... important, parce que ça, on, on vit dans une société euh, qui euh, juge terriblement, qui est pla... Donc là, c'est vrai que c'est des phénomènes qui existent, qui sont euh, bien décrits et qui sont encore à, à développer en termes de connaissances de, de tout ça, mais, mais il, faut, il faut sortir de, de, ces, de ces culpabilisations, de tout ça. Il euh, y a des situations où euh, effectivement ces événements se passent, mais... Euh, par derrière, le corps gère bien et on n'est pas forcément en situation de maladie. Euh, par contre, quand on est en situation de maladie, euh, le moindre petit écart, il vous met en danger. Euh, c'est pas de, pas que ce soit une faute, mais euh, comme un diabétique, euh, ouais. il, il faut faire attention. Alors ça, c'est le parallèle, il est, il est très intéressant avec le diabète. Pour euh, ceux qui connaissent pas, donc le diabète, hein, c'est quand on mange du sucre, oui. son corps euh, ne sait pas gérer et donc il y a des taux de sucre très élevés, ce qui vous met en danger avec des cécités et une mort plus rapide. Enfin voilà, ouais. c'est une vraie maladie. Tout le monde sait que c'est une maladie et que ce n'est pas de sa faute. Euh, eh bien, euh, personne va dire à un diabétique, tiens, tu as mangé trop de sucre quand tu étais petit ou pendant la grossesse, c'est très mal, c'est de ta faute si tu as du diabète. Personne ne mmh. le dit parce qu'on sait tous que c'est une maladie qui est installée, même les diabètes de type 2. D'accord. Et, euh, et, et en fait, l'obésité, c'est très semblable. Euh, et pourtant, euh, on, on culpabilise euh, beaucoup, beaucoup. Non, parce beaucoup que c'est visuel, tout simplement. C'est visuel, c'est vrai. Ça se voit et, et on... Surtout à l'époque où on est obsédé par ça, quoi, et, et on sait aussi que c'est relié à une fragilité depuis toujours. Hein, les Grecs disaient le Colosse au pied d'argile. Ouais. On est vraiment. Il euh, y a une analyse euh, morphométrique hein, qui. On sait que ces personnes. Qui sont, euh, qui peuvent être impressionnants, euh, grands et forts, mais en ils fait non, en, en fait, ils sont plus quoi. fragiles. Mmh. Euh, donc euh, déjà, il y avait cette prémonition pour, euh, c'était une maladie en fait, c'était relié à des problématiques derrière. Donc euh, la société, alors la société, elle évolue. Par exemple, euh, le cancer. Euh, au XVIIIe siècle, notamment le cancer du sein, c'était pas une gloire. Hein. C'était une, le, une honte, surtout, parce que, par exemple, il y a toute l'anecdote d'Anne d'Autriche, Dan la mère de Louis XIV. Euh, qui est assez euh, passionnante à mon sens euh, où elle avait un cancer euh, du sein et elle se faisait enlever euh, chaque jour des, des fragments parce qu'elle a une évolution pour pas que ça se voit parce que c'était oh, relié ouais. à une faute c'était la corne du diable entre ouais. guillemets qui poussait euh, qui devenait visible liée à des fautes euh, morales bonjour l'imaginaire collectif et exactement mais c'était <laughs> les codes de, de l'époque mmh. et, et donc elle se faisait enlever euh, chaque jour donc c'était pas simple donc le cancer à l'époque c'était euh, diabolisant aujourd'hui il est béatifiant et tant mieux parce que <laughs> Euh, c'est une compassion qu'on qu a avec chacun. Ouais. Mais l'obésité, elle est aujourd'hui diabolisante. C'est ta faute, t'as qu'à faire attention j'ai envie de vous dire, même sur les bancs d'école, ben, euh, on pense... Euh, franchement, moi, à mon cas L'obésité infantile, le elle a été multipliée euh, par en 4 en, en, en 10 ans. C'est impressionnant. C'est la grande alerte. Euh, et et aujourd'hui, alors on vit une époque depuis une, une quinzaine d'années quand même qui est... Euh, plus intelligent toi. en fait on a l'impression qu'on est sur deux poids deux mesures parce que moi au petit parc, j'en parle tous les jours dans cette émission c'est oui. mon terrain d'exploration quotidien <laughs> mais c'est quand même assez efficace mine de rien et on voit encore tellement de parents qui donnent plein de gâteaux, plein de. voyez C'est vrai, alors mais que pourtant, ça s'améliore que... plutôt. Mais un en peu même mieux. temps, on a l'impression que c'est mieux. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, je pense qu'il hein. y a un travail oui. qui est fait, une prise de conscience, l'activité physique, il y, y a des les choses qui bougent, même si on est très, très les... en retard. Hein. En France, euh, plus de 50% de la population est en situation de sédentarité, et ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire la sédentarité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, on peut ouais. parler des heures aussi. Ouais. C'est-à-dire, c'est le fait de rester assis, ouais. sans bouger, euh, pendant Enfermée. 7 heures ouais. euh, par euh, jour d'activité. Donc, ce n'est pas la nuit, bien sûr, mais c'est pendant sa journée. Eh bien, on le fait, euh, personnellement, euh, je m'efforce de pas le faire, mais, mais ça va très, très vite. Et, euh, et, et ça, la sédentarité, c'est lié à la mortalité. C'est directement relié, c'est responsable de 9% des, des morts. Euh, Enfin les estimations. Donc c'est 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 d'entarité, C'est parce chose, que hein. ça va favoriser euh, les maladies cardiovasculaires, etc. D'ailleurs, on peut parler de science parce que c'est passionnant. Euh, y a... Le corps n'est pas fait pour être arrêté, en fait. C'est ça que vous Non, en... c'est vraiment, en... il faut le mouvement. C'est primordial. Oui. Le mouvement dans le microbiote, le mouvement... <laughs> c'est la dynamique, c'est euh, la vie. Et c'est primordial. On, on, on le sait, il y a une, une expérience moi, qui a été une révélation pour moi, un, un travail de, de publication. C'est-à-dire qu'ils ont analysé euh, un, un homme avec sa, sa glycémie, donc son, une mesure biologique, pendant une journée de travail et euh, assis pendant 8 heures, et donc il avait des courbes très élevées, anormales, la nuit pareil, et cette même personne, donc il y a eu plusieurs hommes qui ont été analysés comme ça, hommes et femmes d'ailleurs, euh, et euh, il, il avait, euh, juste en se levant toutes les demi-heures, en faisant des exercices euh, du tronc, de flexion, tout ça, ouais. pendant deux, une à deux minutes, ouais. toutes les demi-heures, et eh bien il normalisait sa courbe glycémique. Incroyable. Et le, la révolution, c'est qu'il y avait une mémoire, c'est-à-dire que la nuit, sa courbe glycémique alors qu'ils dormaient de la même manière, euh, entre euh, l'activité physique, la journée ou sans activité physique, eh bien, était modifié et normalisé. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du mouvement que vous faites euh, euh, dans la journée, la lutte contre la sédentarité, en fait, ça vous fait prendre une voie ou une autre euh, physiologique. D'où le fait que quand on a l'impression d'être beaucoup sorti dehors euh, la journée, comme par hasard, le sommeil, ça, euh, la nuit se passe mieux. Alors, la nuit, pour passe nos enfants, c'est comme ça que ça marche, je vous le garantis que c'est vrai. Hein. Sûr, mais c'est sûr, mais en tous les cas, d'avoir une activité physique, mais ce n'est pas à faire du sport à outrance, hein, ah c'est simplement de se Marcher. De bouger, d'avoir des mouvements, de faire bouger ses muscles. Ouais. Euh, le, le, les théories qu'on a pour le moment, mais il y a encore plein de mécanismes, c'est surtout le flux sanguin. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes assis, vous avez 60% de votre sang qui est dans les jambes. Donc euh, le cœur doit forcer dessus et il ouais. y a toute une cinétique, une dynamique, de votre flux sanguin qui est modifié grâce le fait de marcher de se lever de ouais. régulièrement donc euh, toutes les demi-heures levez-vous là j'espère qu'on va pouvoir le faire oui. il faut se lever faire des petits des petits mouvements bon, pendant une minute quatre minutes et voilà parfait <laughs> Patrick Coulier, non, Le microbiote mais... et le mouvement, il se bouge. Oui, Oui, exactement. Hein vous êtes oui, oui avec bien sûr, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Ça équilibre le microbiote. L'équilibre, c'est très fragile pour le microbiote. Donc euh, voilà, c'est un équilibre instable. Hein. Euh, L'équilibre du microbiote, ne faut pas voir ça statique. Hein, c'est pareil, c'est un peu comme un, je sais pas, un, un funambule de l'extrême. Vous savez, il est sur, entre deux immeubles ou deux montagnes. Il est sans arrêt comme ça. Quoi. Il est en équilibre, mais il bouge tout le temps. Donc euh, le mouvement, la marche l'activité physique alors régulière douce et régulière hein, c'est pas du, du sport le sport c'est plutôt euh, inflammatoire et pas très bon pour le microbiote donc euh, le sport intensif le, hein. ah, bon ah oui le ouais. sport intensif pourquoi qu'est-ce que ça fait au microbiote ça fait de la ça atteint les muqueuses c'est violent ça rend les muqueuses plus perméables donc vous avez plus de toxiques qui vont passer à travers la muqueuse donc c'est de l'inflammation donc, Alors, euh... qu'est-ce que vous appelez d'un sport euh, brutalisant enfin, Ça peut être euh, bah, tout ce qui qu dépend... est haute dose. Tout ce qui est C'est régulier déjà, même si vous êtes. Euh vous n'êtes pas un grand sportif mais vous faites pas de sport toute l'année vous avez un léger surpoids et les vacances vous vous mettez à faire vos, vos, cinq, vos 10 hein. km là euh, voilà si vous êtes un peu âgé ça ça c'est pas bon ça fait de l'inflammation le sport dès qu'on reprend en intensif c'est de l'inflammation intéressant et l'inflammation ouais. c'est mauvais pour tout y compris pour le microbiote mais pour euh, pour tout euh... Le, le, donc, si on le, revient à notre le, sujet. Le gras des obèses est, est très euh, inflammé. Hein. C'est de l'inflammation. Oui, c'est oh une maladie inflammatoire. C'est une la, maladie inflammatoire. La maladie obésité, il y a, il y a des éléments euh, reliés à, à des mécanismes inflammatoires, hormonaux. Donc, c'est euh, une autre des grandes causes. Hein. On l'a évoqué. Donc, le, le côté génétique de la maladie, euh, le côté euh, microbiotique qui est primordial. Euh, et, et après, vous avez deux autres grandes causes. Euh, la, la première, euh, c'est euh, le trauma psychique. Hein, et ça, on ne le rappelle pas assez. Euh, le, le trauma psychique, trauma ce n'est pas juste euh, la déprime ou, euh, ou des, 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 des souffrances. C'est vraiment des, des événements qui ont traumatisé euh, votre vie, alors, comme un viol, par exemple, ou le décès. Ou... Et, euh, mm. Il faut savoir que <coughs> c est, c est, c est, ces événements psychiques euh, vont traumatiser et modifier toute votre physiologie. Donc, ça, ce n'est wow. pas seulement dans la tête. Donc, on, ça, ça ferait une émission aussi. On peut en parler. Mm. Mais on s'en fait beaucoup des émissions quête de sang. On va vous embaucher. Ouais. Bref, euh, bon. ça joue énormément, ça peut modifier. Vous avez dit même, c'est fort quand même. Oui, oh, oui. Ça, c est, c est prouvé, hein, oui, ça c'est prouvé. Donc ça intervient. Le trauma psychique va intervenir dans, dans votre équilibre physiologique. Donc ça intervient sur le microbiote, mmh. sur les équilibres hormonaux. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui. qui Et est ça très, peut contaminer des générations euh, plus tard ou pas Alors oui, ça, oui. on le sait. Plusieurs générations. Euh, on le sait, le, le trauma psychique se transmet euh, sans en avoir forcément conscience, wow. euh, via notamment l'épigénétisme. Mmh. C'est un sujet immense aussi. Euh, c'est quand je parle de, de génétique, c'est ça surtout. Donc, épigénétisme, c'est la transmission de l'acquis, euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, transmettre ce qu'on a vécu via ces gènes en mettant comme des marque-pages. Hein, souvent, moi, je le compare euh, à ça, comme un marque-page dans un livre. Euh, on marque son génome, son livre génétique, enfin, sa bibliothèque, parce que c'est immense, mais euh, le gène qui est un livre. On met des petits marque-pages qui peuvent être qui est transmis, pas toujours transmis, mais qui peuvent l'être à ses enfants. Mais pour le meilleur et pour le pire, c'est beau ce que vous avez dit tout à l'heure sur ouais. le musicien, par exemple, ouais. le, 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 le pianiste ou le violoniste, enfin bref, ou le compositeur, par exemple. Qui, qui transmet un joli un, une jolie partition quoi finalement ah ouais tout à fait voilà et, et, et ça ça passe par l'épigénétisme c'est-à-dire que euh, un grand musicien il va travailler il va développer ses muscles et eh bien ces euh, éléments il va les marquer sur son génome il va mettre des marque-pages et si ses enfants reçoivent euh, les marque-pages parce qu'il faut les mmh. recevoir et eh bien ils iront 5, euh, 6 fois plus vite que lui pour apprendre, euh, on le voit avec Internet. C'est-à-dire, on est tous stupéfaits. Euh, moi, je suis, on est cette génération, on a connu un peu l'arrivée la, de vraiment l'informatique et des réseaux sociaux. <laughs> on est et, ouais. et, et donc là, nos enfants, ils vont dix euh, fois, fois plus, plus vite que, que nous, nous. Mais mille bien. fois même. Ouais. Je, je sais pas <laughs> le dire, mais, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Et on se dit, mais comment ils font mais En fait, parce que on a ciblé sur notre génome euh, ces séquences-là qui Ont été très importantes parce que ça nous a demandé beaucoup de travail et on les a transmis en priorité à nos enfants. Alors on et devient un tout petit peu de notre sujet, mais ça nous oui. aide à bien comprendre effectivement euh, à quel point euh, l'obésité peut se transmettre des leçus. Alors le surpoids, euh, le surpoids, en fait, quand on dit qu'on en voit de plus en plus, là il est question plus des, des personnes en surpoids. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train d'évoquer depuis le début de la mission. Le, le surpoids hein, il, oui, évolue, oui. Ça, hein il évolue, mais pas si vite que ça. Euh, oui. En France, mmh. il est plutôt stable. Par contre, ah, 50% les... quand même. Mais... Voilà, il y a 50% de la population qui est en sort. C'est énorme. Mais c'est énorme. Non ah oui, mais... Parce que c'est beaucoup aux quand même. Les hein. États-Unis, ils sont à 50% d'obésité. Oui. Donc oui. c'est encore un autre <laughs> niveau. On est à la marge <laughs> est dessus, niveau. Ouais. Et on y va tout droit et on y va tout droit, probablement, oui. parce que oui. euh, y y, l'obésité le, et les obésités sévères et morbides, donc les grandes obésités, elles, elles augmentent très vite. Hein, c'est multiplié par 4 en 10 ans. Donc euh, vraiment, c'est alarmant, euh, parce que probablement qu'il y a des mécanismes de transmission épigénétique qui interviennent, le microbiote intervient. Oui. Il euh, euh, y a énormément de, de facteurs qui, euh, qui favorisent cette transmission. Body and soul de Tony Bennett en duo avec Amy Winehouse tout de suite sur Radio Notre Dame RCF à tout de suite. My heart is sad and lonely. You I sigh for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days and I I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. So oh. are you pretending? It looks like the ending. Unless I could have one more chance for prove my life wreck you're making You know I'm yours But just yes. that again I gladly surrender Myself to you, me. body and soul Pretending, it looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a You're making. Up. You know I'm yours for just the taking. I'm glad. De retour dans cette émission Quête de sens. Pourquoi l'obésité est-elle devenue la maladie du siècle On en parle aujourd'hui avec mes deux spécialistes, mes deux invités du jour, qui sont Guillaume Pourcher, chirurgien viscéral et digestif. Digestif, pardon. Qui a publié l'obésité, maladie du siècle. Ni une faute, ni une fatalité. C'est ça qui est important à retenir. Exactement. J'ai bien écouté Guillaume ouais. Pourchet et Patrick Coulier, Notre monsieur microbiote, docteur en pharmacie que vous êtes, spécialisé en écologie digestive, qui avait publié cet ouvrage. Maman, j'ai rétréci euh, mon microbiote. Voilà, tout comprendre quel microbiote allons-nous laisser à nos enfants. On est bien dans notre sujet chez LibriNova. Alors, euh, c'est vrai qu'on on, l'évoquait juste là, euh, avec avec vous Guillaume Pourchet, Patrick Collier, euh, ça vous a pas étonné euh, que je le sois moi <laughs> devant ce constat que vous faites dans votre livre Guillaume Pourchet, euh, que l'héritage même collectif hein, de la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'on est euh, une génération personne ont manqué c'est-à-dire on, on sont même on crevait de faim en fait, dans, notamment dans les camps de concentration, mais dans ce, ce, ce contexte de guerre a laissé des traces en fait. Non, hein, mm -hmm. hein, messieurs, c'est ça Oui, ça, ça passe par l'épigénétisme, c'est-à-dire ouais. qu'on va marquer son génome. Des événements euh, qu'on a vécu dans, dans son vivant. Ouais. Et, et, euh, et donc, forcément, on va euh, activer, quand on vit euh, des situations de, de famine, par exemple, euh, sur plusieurs générations, on, on va vraiment euh, un casse, enfin marquer son génome là-dessus et sa descendance va mettre en réserve plus, pour simplifier. Hein. Donc, ça, c'est une des causes de, de cette maladie obésité, puisque l'humanité a plutôt vécu. Dans la famine, euh, que dans la prodigalité euh, de, depuis des, des millénaires et des siècles, donc en tous les cas pour sa, la plus grande majorité de la population. Donc, ça, c'est un phénomène qui est là. Et heureusement, parce qu'on parle d'obésité comme euh, maladie du siècle, c'est sûr, euh, mais c'est finalement mieux que la famine. <laughs> C'est-à-dire que l'obésité, elle est quand même probablement aussi reliée à, au fait qu'on est un petit peu sorti de, de, de ces grandes. Euh, famine et ouais. grandes difficultés. C'est-à-dire qu'on a accès à une nourriture malheureusement pas toujours de, de bonne qualité, ouais. donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quand même, hein. mais quand même un, une étape euh, supplémentaire. C'est-à-dire que euh, l'accès à la normalité alimentaire ouais. fait que ça révèle euh, cette maladie pour une grande partie de la population qui était plutôt prête à gérer des famines. C'est un, un, un résumé un petit peu de la situation, mais c'est à mon sens très vrai. Hmm. Sur oui, le parce que microbiote, on peut, je, je suis un peu monomaniaque du microbiote, si vous avez bien compris. On bien en compris, fait, quand on est dans une situation de guerre où il y a peu, de, peu à manger, en ouais. fait, euh, le microbiote est aussi, euh, est aussi capable d'extraire plus de calories d'une même alimentation. Donc si vous mangez peu, il va extraire plus d'énergie de proportionnellement à si vous mangez. Bah, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend. Euh, si vous mangez, si vous faites un gros repas un jour, c'est une fête, euh, il va extraire moins d'énergie parce que vous avez trop mangé. D'accord. Il va envoyer la, la réponse de satiété, mais il va moins extraire. Donc, une maman qui est euh, dans, enceinte et vous dans une peur, situation <laughs> euh, de dénutrition, elle va, ah, va euh, son microbiote va extraire plus d'énergie. Mais ça va du coup lui donner un microbiote euh, de type euh, j'extrais beaucoup d'énergie. Et la maman, au moment de la naissance, va transmettre ce qu'on appelle une signature microbiotique à son bébé. C'est-à-dire que le, le microbiote du bébé, il est pour beaucoup le microbiote de la maman. Et donc cet enfant va avoir un microbiote à signature obésité, peut-être, ou en tout cas, surprend, en tout cas, consommation d'énergie. Et donc ce bébé, il va extraire plus d'énergie de l'alimentation qu'on va lui donner. Et il y a un, un petit paradoxe c'est que des mamans qui ont été, à un moment donné, dénutris. Donner naissance à des gros bébés parce que elles ont peu mangé, donc elles ont extrait beaucoup d'énergie. Et puis, si la famine s'arrête, elles se remettent à beaucoup manger, elles vont continuer à extraire beaucoup d'énergie d'une alimentation qui sera devenue normale, et donc elles vont faire des gros bébés. Donc, il y, y a aussi cette notion liée au microbiote et à l'extraction énergétique des microbiotes, ce qu'on trouve euh, d'ailleurs les, chez les personnes obèses où ils ont tendance à extraire plus euh, d'énergie de l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut, il faut déculpabiliser cette oui, population. Absolument. Ça, c'est très, très important. Et, et moi, c'est un, un, un de mes combats de, de soignant. Euh, il faut sortir de ces schémas, euh, c'est de votre faute, t'as qu'à manger plus, t'as qu'à faire du sport. Euh, vraiment, euh, c'est une tendance qu'on a peut-être tous en soi, et c'est des mécanismes de défense qui nous ont sauvés. On l'a tous en soi, cette tendance quand même. Hein. Euh, probablement. Je suis d'accord. Hein. Si vous. vous faites mal, vous prenez du poids. Après, elle est plus ou moins développée, hein. c'est là où ça devient une maladie, c'est-à-dire que euh, des personnes en mangeant très peu, hein. par exemple, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes souffrant de maladie obésité qui sont carencées qui ont des carences, et c'est même très fréquent, mmh. sur beaucoup mmh. de vitamines et autres. Pourquoi euh, et, et ben, ben Justement parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'ils mangent trop seulement le, le problème, ce n'est pas qu'ils apportent trop, c'est qu'ils ont ce dérèglement qui fait qu'ils ils mettent beaucoup en réserve, euh, en prévision, euh, peut-être mmh. d'événements, de souffrances. C'est assez positif finalement pour l'humanité, on rentre dans une période euh, plutôt positive euh, en termes d'alimentation de, 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 et d'accès à l'alimentation, et tant mieux mais attention il faut euh, la canaliser la réguler il faut aussi soigner cette maladie parce que là elle est euh, sachez que euh, seulement 4% des personnes qui sont en situation ouais. de maladie donc des grandes obésités sont prises en charge Pourquoi mmh. parce qu'elles pas bah, parce partent, que c'est un, un tabou c'est un tabou c'est une honte ouais. euh, on a peur euh, oh là là euh... Tu ne vas pas te faire opérer quand même, euh, fais un petit régime, fais attention. Et le ça, fameux j'ai tout essayé. Ouais. Et, ça, et, vous l'entendez tout le temps. Ben oui, et puis surtout, on le plaque à plein de personnes qui sont en situation de souffrance. Donc la culpabilisation qu'on a autour de cette pathologie, elle est, euh, elle est à combattre absolument. Euh, après, euh, ce n'est pas rien de se faire opérer, il s'est réservé à des situations euh, quand même assez euh, graves. Aussi, ça nécessite une prise en charge euh, bien construite, hein. il faut euh, euh, être suivi, enfin, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ce n'est pas et une solution rapide. Et on peut se faire opérer en étant en surpoids c'est euh, que réservé Non, à non, non, c'est réservé. Il y a des critères alors de remboursement en France et puis des, des recommandations internationales. Donc, c'est à partir. Euh, les critères sont ceux de, au-dessus de 35 d'indices de masse corporelle avec. Euh, des pathologies liées à l'obésité, donc elles sont très vastes, hein, de l'apnée du sommeil à, au diabète, euh, à l'arthrose, euh, à des problèmes de foie, hein, la maladie du foie, la stéatose. Mmh. Euh, ça, c'est une anecdote assez mmh. passionnante hein, parce que depuis maintenant une quinzaine d'années, la première cause de cirrhose euh, dans le monde, c'est plus l'alcool c'est l'obésité donc vous voyez c'est ça... ben oui et la maladie du parce qu'après c'est bien gentil de se faire opérer mais il faut mieux manger aussi non j'imagine quand même, Alors, quand même. Le, une opération effectivement ça ne suffit pas à elle seule hein. c'est pas le coup de baguette magique donc ça c'est d'où la préparation avant et le suivi après donc euh, euh, se faire opérer c'est Souvent, je le compare, c'est une sorte de remise à zéro, si vous voulez, de, 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 de fonctionnement. Et, et l'opération, elle paraît euh, violente, agressive, ce qui, est quand même, c'est pas rien de se faire opérer, c'est courageux de se faire opérer, ça il faut le redire hein. moi j'ai toute euh, mon admiration euh, euh, pour les patients et non pas, euh, c'est pas une solution de facilité et eh bien euh, se faire opérer ça suffit pas parce qu'il faut reconstruire le, le bien manger, l'activité physique, le bon sommeil, on en parle pas ouais. assez ouais. Et, euh, tout, vous tout dit tout que ça faisait grossir, de, ça fait prendre du poids bien de sûr, mal ça dormir. fait prendre du poids de mal dormir, on a faim, ça donne faim c'est ça alors c'est probablement plus complexe que, ouais. que, que ça, mais c'est euh, voilà, le, le, le manque de sommeil. Il y a, il y a pas mal de, de régulations qui se font pendant le sommeil, notamment au niveau cérébral, mais pas seulement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer sur le mmh. sommeil encore, et qui, qui sont directement reliées. Est-ce que l'impact, psy... oui, allez-y, Juste, c'était pour euh, rebondir, confirmer le, le, la ouais. partie culpabilité. Euh... Il existe un mécanisme qui s'appelle, enfin que moi j'appelle en tout cas la résistance microbiotique, qui correspond un peu à la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les organes vont moins réagir à l'insuline. Je vous ai dit tout à l'heure que le, le microbiote était en équilibre instable, instable, comme ça. On peut imaginer une boule dans une, dans une gouttière, par exemple. Donc elle va osciller de déséquilibre à équilibre, comme ça, ça va. À un moment donné, cette bille, elle peut être tellement déséquilibrée qu'elle passe dans une autre gouttière. Et cette autre gouttière, c'est un autre équilibre, mais c'est un équilibre qui est euh, pathologique, en fait. Et ce, ce, ça se trouve souvent chez les personnes obèses, et ça fait que la personne, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau nutritionnel, donner des fibres, de la bonne alimentation. De toute façon, ce microbiote, il est équilibré de façon pathologique. Et vous ne pourrez jamais euh, rectifier ce microbiome. Donc, quand et certaines disent qu'elles ont tout fait et que ça ne change rien, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Ah, oui, et on ne peut pas culpabiliser la personne, ce n'est pas de sa faute. C'est ouais. une maladie. Il ouais. faut le redire, c'est une maladie. C'est vrai qu'on ne euh, l'entend jamais. Hein. Bah c'est une, ou presque le jamais, euh, c'est en train <laughs> de bouger. Mais il faut absolument crier. Ouais. Et euh, ce n'est pas une faute. Et ça, c'est primordial. Euh, et alors après, bien sûr, il y a un niveau de gravité dans la maladie. Il y a des situations, le surpoids ou les, les obésités de stade 1. Euh, là, on, on a une chance en, en corrigeant oui, on euh, peut, ouais. les facteurs aggravants ouais. qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, de l'alimentation, de l'activité physique, euh, du sommeil, euh, de la discrimination aussi. Du ouais. euh, euh, le, regard, ouais. le regard des autres euh, et, et la gestion des émotions. J'ai un enfant qui est, qui est, qui est obèse. Euh, Qu'est-ce que je fais, euh, Patrick Goulier Qu'est-ce que je fais pour commencer Qu'est-ce que je fais euh, C'est difficile. Il y a 50% des enfants obèses qui deviennent obèses. Donc, ça, à la fois, ça veut dire qu'il y a des solutions. Il faut, euh, faut s'en occuper euh, à tous les points de vue alimentaire, euh, psychologique, euh, le sport. Euh, et puis, essayer de rester, euh, de ne pas aller trop loin. On a dit qu'il y avait plusieurs stades dans l'obésité. Euh, essayer de contrôler au maximum pour qu'il n'aille pas dans des obésités sévères. Euh, après, une fois qu'on a fait euh, le psy, l'alimentation, euh, l'amour qu'on peut lui donner, ouais. euh, le sport, ne euh, pas le culpabiliser, ouais, c'est la première étape. Ça. Certainement, ouais. le je plus pense important. que non. ça peut les sauver, de les prendre en charge les bébés. Vous voyez ce que je veux dire ah, Alors, ça les peut bébés... préserver un, un futur adulte ah, de l'obésité. C'est assez complexe parce qu'au le, mmh. le, au stade de, de, du bébé, hein, de, de, des, des premières années de vie, c'est difficile. Je pense qu'on ne peut pas parler vraiment, euh, même s'il y a des enfants, des bébés qui sont très, très euh, gros. Et, oh, et puis qui... même des jeunes enfants, on en voit, hein, de 2-3 ans Donc, qui ont l'air C'est ouais. la, là où c'est complexe et il faut le faire avec son pédiatre. Hein, il faut être entouré, ce n'est pas tout seul. En tous les cas, il ne faut surtout pas culpabiliser. Il faut canaliser euh, des, des comportements qui peuvent devenir addictifs parce que effectivement, euh, quand euh, vous dites « ben fais pas et fais du sport ben, », là il va faire tout l'inverse. Donc euh, c'est assez terrible et complexe. Par... Mmh. C'est très complexe. Délicat. Et, et, mmh. et très délicat, surtout chez les enfants parce qu'il y a des, ils sont en construction euh, psychique avec des. Donc c'est des situations, où il faut se faire aider mmh. euh, par son pédiatre, par. Euh, des soignants. Après, il y a plusieurs niveaux de gravité. Il ne faut pas non plus euh, que le maman dise ah, ⁇ Tiens, j'ai l'impression qu'il est gros ou qu'il est un peu trop gros, euh, je vais lui faire... Euh... ⁇ Donc, il y, y, y a des critères médicaux, donc il faut, faut consulter, voir ça avec son pédiatre, qui va vous dire ⁇ Oui, là, il y a une situation d'obésité, ben, ⁇ Non, vous inquiétez pas, c'est normal, ça va se corriger avec l'adolescence. D'accord. Voilà. Donc, et pense, -ce il ce qu'il faut pas. Il faut. Il faut euh, certains de vos confrères disent plutôt psy disent que euh, il faut surtout jamais parler de régime en famille, de grossi, grosse, ta grossité t'es grosse. Très gros... important. Hein le, le régime, c'est une horreur. Ça fait grossir. Ah c nous, c'est chez nous, c'est omniprésent. Et, 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 et c'est très <laughs> important parce que, euh, euh, <laughs> en fait, en, en parlant de régime, on va réduire euh, des apports sur certains produits alors qu'il euh, ne faut pas. Donc, euh, faire un régime, euh, on le sait aujourd'hui, euh, c'est dangereux. Parce que, euh, alors bien sûr, on maigrit au début, il y a ouais, une, un, un impact mmh. direct, mais sur une période de six mois, un an, deux ans, en fait, on va, on va aggraver la maladie, si vous voulez. S'il y a une maladie, elle va, euh, on va monter un niveau d'obésité encore supérieur. Peut-être un peu ah ouais. à cause du régime. Donc ça, le, le régime, c'est un, un point. Alors, régime, euh, chacun l'entend comme il Non, non, c'est rééquilibrage alimentaire qui est très alarmant. Là, ça, c'est ça C'est autre C'est autre, autre, autre chose. Mais effectivement, le fait de faire de la restriction sur certains aliments, de s'empêcher de manger des sucres, ou ouais, ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas conseiller et qu'il n'y a pas de rationnel médical. Au contraire, ça semble aggraver la, la problématique. Donc euh, euh, non, le bien manger, ça c'est important. Euh, la qualité, des circuits courts, euh, les produits transformés qu'il faut euh, essayer de bannir, mm. euh, les, les boissons trop sucrées. Attention aux édulcorants, euh, c'est pire mm. que du sucre probablement les édulcorants oui. aujourd'hui. Donc euh, les coca zéro, enfin je vais pas citer <laughs> des trucs mais <laughs> tous les zéros, <laughs> tous les zéro, ah. euh, c'est probablement plus dangereux que du vrai sucre. C'est vrai euh, Oui, parce Pourquoi que bah, parce qu'en fait c'est relié à l'obésité. Euh, euh, avec les édulcorants et tout euh, fort, euh, sont probablement plus dangereux que le vrai sucre, que notre corps s'est géré depuis des millénaires, euh, euh, même si c'est pas bon de manger oui. trop sucré, oui. et bien c'est probablement pire d'avoir ces nouveaux produits chimiques qui vont déclencher des cascades euh, de type sucre euh, et qui vont vous dérégler le microbiote, ouais. qui vont dérégler euh, les sécrétions hormonales d'insuline et autres. Wow. Et donc, euh, c'est même en relation avec certains cancers. Hein, tout, tout... Sans donc, blague. Y a, y a, on, ça a été vendu, marketé comme positif pour la santé et c'est vraiment une horreur. Donc, prenez du vrai <laughs> coca pour reprendre ce sucre, truc plutôt que, du, <laughs> plutôt que du faux ouais. ou des choses. C'est intéressant. C'est des petites choses bêtes, ouais. mais voilà. Mais qui, qui peuvent sauver qui, euh, ils un. Sont un il y a une santé et et une immunité et... aussi avec l'hiver, là. Hein. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais il y en a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de sujets. Pour sujet. terminer, Patrick oui. euh, euh, bah, Juste, je, je, je voulais dire que sur le sucre, j'ai ouais. entendu une étude où un enfant de 8 ans aujourd'hui euh, a mangé autant de sucre dans, pendant ses 8 ans que son grand-père pendant toute sa vie. Wow. Donc, euh, les élus le sucre. Ce qu'il faut peut-être raisonner, c'est... Euh, c'est en termes d'exposome, c'est-à-dire à quoi on est exposé dans notre vie. Parce que nos grands-parents, ils avaient quelques toxiques comme ci, comme ça. Nous, on en a énormément. Non non. La pollution, bah, tous les additifs de l'alimentation ultra-transformée. On mange du bon et du vrai, je n'ai pas dit BIO, <laughs> je dis du bon et du vrai. <laughs> oui, oui. Merci les amis, Guillaume Porcher, l'obésité maladie du siècle, une fois une fatalité c'est Ixo. Et Patrick Collier, maman, j'ai rétréci mon microbiote chez LibriNova. Merci les amis, merci, merci beaucoup, merci bonne journée à Merci à vous pour votre accueil, Merci. à très bientôt.